Bonjour, aujourd'hui le cours concerne la fabrication de Majoli Capeline en feutre. On vous la présente dans trois couleurs, donc en brique, en camel et en bleu. Libre à vous de choisir celle qui vous plaît le plus sur notre site internet. La capeline, c'est un chapeau qu'on peut porter facilement tous les jours, mais qui peut aussi être habillé. Donc c'est des modèles qu'on porte plutôt l'hiver. Donc on vous conseille de l'associer avec un manteau et puis vraiment de le mixer aussi. Ça peut être décontracté comme habillé en fonction de ce que vous choisissez comme autre accessoire. Dans ce cours, je vais d'abord vous présenter le matériel nécessaire pour la fabrication. On vous fournit un kit. Dans ce kit, on a été très attentif au choix des matières premières et à leur provenance. On est très content de travailler avec Moncapel, qui est une fabrique de feutre française qui s'est réouvert il y a peu de temps, sous forme coopérative dans le sud de la France. Ils font un travail formidable où vraiment ils fabriquent du feutre de très belle qualité. C'est ce feutre-là qu'on a choisi pour nos kits parce qu'on a envie de défendre ses valeurs. Alors je voulais juste vous expliquer ce que c'était que le feutre. C'est réalisé à partir de laine de mouton qui a été chauffée et agglomérée. Et en fait, la matière est fibreuse et les fibres s'accrochent l'une à l'autre par frottement. Donc c'est ce que Moncapel, dans son usine du sud de la France, fait. C'est-à-dire qu'elle feutre la laine pour en fabriquer des cônes comme ça. On reçoit le cône directement, un peu en forme de chapeau, mais vous voyez qu'il n'a pas une forme très définie. Et notre travail, ça va être de lui donner une forme. On a choisi de travailler avec Moncapel parce que leur feutre est très beau, mais aussi parce qu'ils nous proposent des feutres déjà apprêtés. Pour qu'un chapeau tienne bien, il faut qu'il soit rigide. Et vous verrez, dans certains cours, on apprête la matière. Là, on n'a pas besoin, elle est déjà prête. Donc ce cône, vous allez le recevoir comme ça, et c'est une jolie matière qui va vraiment tenir dans le temps et qui va pouvoir vous durer toute votre vie. Ensuite, on a deux parties, donc une partie moulage et démoulage pour donner la forme au feutre et une deuxième partie qui concerne les finitions et la garniture. Alors si vous êtes prêts, ben, on va commencer. C'est parti! Dans le kit pour fabriquer la capeline en feutre, je vais vous montrer ce que vous avez. Une capeline de feutre qui vient de chez Moncapel, donc c'est un producteur français. Du jonc. La fiche descriptive pour le travail. Vous avez un fil nylon, la ficelle pour le moulage, la cordelette en daim et le passepoil doré. La petite étiquette Mes jolis chapeaux, une aiguille de chez Bohain et trois petits morceaux de feutre qui vont vous servir à faire la garniture. Des épingles argentines, voilà. Donc avec tout ça, on va pouvoir fabriquer la jolie capeline en feutre. En plus du kit que vous avez reçu chez vous, pour réaliser ce cours, vous avez besoin d'outils. Et ces outils sont compris dans ce qu'on appelle le kit école sur le site internet. Donc tout d'abord, vous avez une calotte. C'est une calotte boule. La calotte, c'est la partie supérieure du chapeau. Ensuite, vous avez cette partie qui est un support qu'on appelle le gigolo, qui vient s'emboîter dans la calotte. Et ensuite, vous avez donc la partie qui sert à faire le bord du chapeau. Il y a donc deux parties, la partie du dessus qui fait une forme légèrement clochante et la partie d'en dessous qui fait un bord plat, comme les canotiers. Donc aujourd'hui, on utilise la partie du dessus, celle qui fait un bord clochant. Ces deux moules s'emboîtent l'un dans l'autre. Ici, en dessous, vous avez une petite croix. On la retrouve également sur le bord. Donc vous emboîtez la calotte dans le bord. Et vous allez pouvoir travailler pour réaliser la capeline. On est très content de travailler avec Sébastien Tessier, qui est formier, qui est installé à Langon, tout près de Saint-Nazaire, et qui fabrique donc ces magnifiques formes à chapeau. Elles sont en bois, souvent en tilleul ou en peuplier. Et il fabrique donc toutes ces pièces sur mesure pour vous. C'est-à-dire que sur le site, vous pouvez choisir votre taille et donc commander un objet qui a été vraiment fait uniquement pour vous et que vous allez pouvoir garder toute votre vie. Ces outils sont des outils qu'on réutilise à l'infini. Donc c'est un investissement, mais ça permet aussi de gagner après en autonomie et de pouvoir faire tous les cours qu'on va proposer sur Mes jolis chapeaux. Pour réaliser le cours, vous aurez besoin d'un peu de matériel chez vous. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut que vous ayez. Des épingles, donc des petites épingles de couture, des petits ciseaux coupe-fil, des grands ciseaux pour le tissu, une pince coupante, un marteau, du film étirable, ça va vous servir à protéger votre moule en bois, un réglet, un mètre de couture, du fil assorti à votre chapeau,
un pulvérisateur, parce qu'on va avoir besoin d'humidifier la matière, un petit morceau de tissu, donc ça peut être de la récup, un morceau de drap, voilà, un petit carré de tissu. Un fer à repasser, il faut qu'il fasse beaucoup de vapeur. Peu importe si c'est une presse ou un fer classique, mais il faut qu'il ait quand même une certaine puissance de vaporisation. Une machine à coudre et également une bassine avec de l'eau. Une fois que vous avez tout ce matériel, donc le matériel chez vous, le kit et le kit école, on va pouvoir se mettre au travail. Ce cours s'adresse plutôt à un niveau avancé. Le moulage du feutre, c'est une technique traditionnelle de la chapellerie qui est assez compliqué à appréhender, donc ne commencez pas par ce cours-là. Et puis, il va vous falloir donc un certain temps de réalisation. En temps effectif, on va être sur 2-3 heures. Par contre, chez vous, voilà, il va falloir, je pense, entre 4 et 6 heures, parce qu'il y a aussi des temps de séchage. Donc voilà, prenez le temps qu'il faut, prévoyez une journée pour réaliser votre capeline de feutre. On va passer maintenant à la réalisation. C'est parti!